Bonjour Corinne. Bonjour Pascal. Ça va? Ça va, merci. Oui. Est-ce qu'on peut faire connaissance plus amplement avec toi? Oui. Allons-y. Nous sommes à Paris, mais tu es parisienne, tu es... Alors, parisienne de naissance, parce que je suis née à Paris, 17e précisément. Et par contre, après, ma mère m'a renvoyée en Guadeloupe à l'âge de 2 ans. Donc, je suis rentrée en fait en Guadeloupe et j'ai grandi voilà, là-bas. Et donc, je suis revenue ensuite sur Paris pour les études et la musique. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Très bonne question. Qu'est-ce qui m'a emmenée à la musique? Disons que j'ai toujours aimé chanter. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, on va dire que je chantais pour le plaisir. Hein. Et comment dire, je chantais tellement que ma mère m'a dit, bon, apparemment, bon, ça va, tu chantes pas trop faux. On va t'inscrire en école de musique. Du coup, on va en profiter. Et donc, de là, j'ai commencé, voilà, à prendre des cours de chant, de solfège, en formation, on va dire, plus, voilà, plus concrète. Instrumentiste. J'ai fait du piano parce qu'effectivement, alors à la base, c'est les parents justement qui m'ont fortement poussé à faire du piano par rapport à l'accompagnement chanteur. Et j'ai du coup, comment dire, j'ai mis un peu de temps à vraiment m'y mettre pour travailler parce que c'est vrai que c'est pas forcément un instrument qui m'attirait, mais ça m'a beaucoup servi parce que je m'en sers jusqu'à maintenant pour les cours de chant que je donne aussi et même pour composer également. Voilà, donc merci maman et merci les parents. Nous qu'à printemps réaliser sa carrière, nous voit soleil qu'à clairer tout partout. Oui, nous j'arrive, nous j'arrivais loin. Nous partis en voyage, main dans la main. Et nous caille pour escale devant ciel en plein jour. Foutre sa belle alentour en nous. Nous descendons petit côté. Ciel qu'a joint l'en mai, nous attend joue à tomber. Bon, nous on fraîchait la ligne, vrai nous. Ses yeux, il chantait, yeah, yeah. Hey. En lumière qu'a clairé, nous tout vaille. On le sait en magie, nous qu'à printemps. Réaliser ce qu'a arrivé, nous voit soleil qu'a clairé tout partout. Oui, nous j'arrive, nous j'arrivais loin. Nous partis en voyage, main dans la main. Et nous caille pour escale, devant ciel en plein jour. Foutre sa belle alentour en nous. Des nuages la terre, gloire à terre, vent, fin chayer, yo allé, hey. Temps pour nous te pévancer en nous, nous t'en, yeah, yeah, hey. On lumière qu'a clairé, nous tout vaille. On le sait en magie, nous qu'à printemps. Réaliser ce qu'a arrivé, nous voit soleil qu'a clairé. Partout, ouais. Oui, nous j'arrive, nous j'arrivais loin. Nous partis en voyage, main dans la main. Et nous caille pour escale, devant ciel en plein jour. Foutre sa belle alentour en nous. 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 Foutre sa belle alentour. Est-ce que ta musique est vraiment créole?
ma musique, j'ai envie de dire qu'elle est créole, oui, parce que je suis créole en termes d'origine. Et donc j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans. Après, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé depuis, j'ai déménagé sur Paris. Et... Mais comment dire, comme la musique est l'expression de ce qu'on est, et c'est vrai que le créole déjà en lui-même est une forme de métissage, j'ai envie de dire. Donc, à travers le créole, pour moi en tout cas, le créole traduit une diversité, parce que c'est un mélange en fait entre plusieurs langues, français, anglais, enfin, il y a comment dire, tout un mélange culturel véhiculé par le créole, réuni dans le créole. Et du coup, ma musique est à l'image de ça, finalement. Pour me définir musicalement, c'est vrai que je dis souvent que je fais de la musique afro-world ou pop, parce que c'est vrai que les consonances sont un peu pop, mais qu'on retrouve le côté donc enraciné afro par rapport au rythmique, par rapport aux couleurs vocales aussi que je vais utiliser. Et je dis world parce que je... Voilà, en référence justement à ce créole. Comment as-tu pu échapper, puisque tu as vécu toute ton adolescence aux Antilles, oui. Comment as-tu pu échapper au zouk, à la vague du zouk? En sachant que ce soir, il y a le grand méchant zouk. Voilà, c'est Zénith, le petit clin d'œil que tu fais. Eh bien, le zouk. Je n'ai pas finalement échappé au zouk, hein, parce que je t'avoue que j'ai quand même aimé pas mal de titres de zouk, par exemple. Des artistes tels que Tania Saint-Val, que j'aime beaucoup, qui est pour moi une grande artiste. Les morceaux de Kassav, je signe Béroir, ou... Enfin, il y a quand même des figures de la musique zouk qui sont très emblématiques. Et puis en même temps, le zouk est une musique très riche. Après, moi, ce qui me touche moins dans une certaine catégorie de zouk, on va dire, c'est le zouk love. Voilà, le zouk love me touche moins. Le zouk peut-être caro. Même si j'ai dansé dessus, je veux dire que... Voilà, en termes peut-être de musique que j'irais peut-être acheter ou écouter vraiment, que j'irais mettre chez moi, dans mes collectors, j'ai quand même été très sensible à beaucoup d'artistes zouk. Patrick Saint-Éloi aussi, que je n'ai pas cité, mais voilà, qui en fait partie également. Let's say,
Tu travailles en tribu ou alors tu travailles de manière individuelle? Est-ce que tu as une équipe de gens avec lesquels tu as des affinités, avec lesquels tu travailles sur la durée? Alors, on va dire que d'une manière générale, je travaille en m'entourant effectivement de certaines personnes. Musicalement, par exemple, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a le niveau, par exemple, live, musical live, là, donc, par exemple, déjà en un premier temps, je vais composer toute seule. Et donc écrire le texte, la mélodie, structurer un peu les chansons. Et puis ensuite, je vais faire appel à des musiciens voilà, qui vont venir embellir et puis m'aider à faire justement vivre. Mais est-ce qu'il y en a qui reviennent? Est-ce qu'il y a des musiciens attitrés avec lesquels tu travailles régulièrement? Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai pendant les deux premières années du lancement de mon projet en 2012, j'ai travaillé très souvent avec Lionel Agénor, qui est un guitariste réunionnais. J'ai travaillé aussi avec Damian Nueva, avec Ralph Lavital, mais finalement, j'ai envie de te dire en même temps, ce qui me vient, c'est que sur Paris, il y a beaucoup de mouvements. Et c'est vrai que pour fixer une équipe, c'est pas forcément toujours évident. D'autant plus que c'est vrai que dans mon rapport avec la musique, il y a une forme d'expérimentation permanente. donc, on va dire que, en fonction des disponibilités de chacun, en tout cas en termes de live, je vais bien sûr m'adapter aussi aux disponibilités, voilà, enfin, au planning, on va dire, des personnes qui m'accompagnent. Les titres, par exemple, que j'ai enregistrés, ont été faits avec l'équipe de base, entre guillemets, c'est-à-dire aux percussions, il y avait Jean-Emmanuel Fatna, et à la guitare, à l'époque, c'était Marc Alphon, mais après avec qui je n'ai plus rejoué. Voilà, donc c'est vrai que finalement, ça tourne beaucoup. J'ai envie de te dire que je fonctionne plutôt seule, et puis en fonction des disponibilités de chacun, voilà, je m'adapte, et puis j'ai uniquement sorti deux singles, et je me rends compte que j'ai eu besoin d'avoir cette évolution de live parce que ça m'a permis en même temps de même moi mieux cerner ce que je suis musicalement et que l'album est en cours de préparation justement, mais cette préparation se fait aussi encore mieux grâce à l'expérimentation live. Voilà, ça peut sembler un peu contraire à ce qui se fait en général, mais voilà, raconte-nous un peu l'histoire de Loufant. Oui. Deux amis musiciens, on était là en répétition, et puis, alors c'est parfois chez nous, il y a des petits cancans, voilà, qui circulent, machin. Et moi j'étais assise là. Et puis je me suis dit, mais quand même, parfois on est quand même gonflé de dire ce qu'on pense d'un tel, ce qu'on aurait fait dans telle situation, à la place d'un tel, parce qu'on se permet de juger. Voilà, ce que Sam Nape dit, Sam Nape fait, voilà, bon. Et que c'est un peu présomptueux. Parce qu'on ne sait pas ce que l'autre vit, on ne sait pas sa réalité. Et du coup, plutôt que d'exprimer ça à l'oral, parce que de toute façon, on ne m'écoutait pas, sur le moment, j'ai écrit une fois. Et c'était vraiment... C'est-à-dire que j'ai transféré mon point de vue sur papier. Voilà. Donc voilà comment est né Oufa. Et la couleur? La couleur, en fait, alors j'ai collaboré avec donc Marc Alphon, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est également joueur de gambri. Il est d'origine tunisienne, mais voilà, il pratiquait aussi le gambri, qui est un instrument de Nord-Afrique, du Maroc. Avec une corde? Une basse à trois cordes. Trois cordes. Donc c'est une basse faite en peau de chèvre. Voilà, et du coup, enfin en bois et peau de chèvre. Et du coup, voilà, donc il y a une résonance particulière. Les vibrations aussi qui en émanent sont très, à la base, dans la tradition nord-africaine, sont des vibrations de guérison. Et j'ai trouvé, donc ce son, en tout cas, ce son m'a charmé directement. Et c'est là-dessus que j'ai décidé de poser Oufa. D'ailleurs, nous l'avons plutôt décidé ensemble à ce moment-là. Parce qu'on trouvait que ça sonnait bien le créole et puis cet instrument de Nord-Afrique.
pays pas honte non et qu'a fait la manche de voilà zola ça peut que j'arrive moi non de faire des bites hein, comme ça zola femme la bani honte kaika saute maté comme ça zola pas fait si pas fait ça ça te que moi mais y a pas vous alors écoutez bouche à mon pe bat mais yo pas écouter yo pas sous fort en dit donc l'esprit a moun fermé, yo pa ka ochipe ou fort en dit donc. Si c'est ri ou besoin ri, yo ka fait sans souci ou fort en dit donc. Si c'est li mien ka chaye, yo pe ke je la tue, yo fort en dit donc. Fort en dit donc. Fort en dit donc. Mais zola, en pa ka kwe ou ke rive, la vie arrête, c'est comme ça. Zola, rete ou la ou pa save. Ni de voilà zola pas rêver toi petit ma fille ou peut-être arriver juste là zola pas fait si pas fait ça ça te que moi mais y a pas vous alors écoutez bouche à mon pe bat mais ou pas écouter yo pas sous fort en dit donc l'esprit à mon fermé ou pas ka ochipe ou fort en dit donc si c'est ri ou besoin ri ou ka fait sans souci ou fort en dit donc. Si c'est lui mien qu'a chaillé, you pe que je la tue, you fort en dit donc. Fort en dit donc. Fort en dit donc. Fort en dit donc. Fort en dit you pa ka koute yo pa sou fort en dit donc. L'esprit a moun fermé, you pa ka ochipe ou fort en dit donc. Si c'est ri ou besoin ri, you ka fait sans souci ou fort en dit donc. Si c'est li mien ka chaye, you pe que je la tue, you fort en dit donc. 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 Et tu nous as parlé d'un album qui est en gestation. Tout à fait. Tu as déjà toutes les compositions, tu sais de quoi il sera fait. Oui, donc toutes les chansons sont là, les compositions sont toutes là. Et de toi? De moi, oui. Il y a deux titres que j'ai coécrits avec Blik Bassi, qui est un artiste, oui, d'origine camerounaise. Et donc voilà, sinon enfin, tous les titres sont, voilà, sont en boîte, enfin en boîte, ils sont là. Sur la table. Sur la table. Et nous sommes en train de travailler dessus avec mon directeur artistique, parce que c'est vrai que j'ai mis du temps avant de trouver quelqu'un. Un mentor. C'est ça, qui allait m'aider justement à faire ressortir cette couleur de l'album en fait. Très bien. Est-ce que tu revendiques le créole ? Je revendique le créole, oui. Oui, je revendique cette langue parce que c'est une très belle langue, très musicale. Moi, j'aime bien dire que je chante le créole comme César Yévora chante le portugais. Le créole est une langue donc, qui mérite à voyager encore plus puisqu'elle est en elle-même un voyage déjà. Voilà, donc en termes de sonorité, de consonance, de rythmique, voilà. C'est une langue très méritante. Eh bien, bon voyage alors. Merci beaucoup, Pascal. Allez, au revoir. À très bientôt. Bye bye.